Première rencontre officielle à Bollaert, Lens recevait Metz devant 20 000 spectateurs. Tout commence bien, coup franc de l'Aigle et tête de Frédéric Dehu qui passe de peu au-dessus. Mais tournant de la rencontre et catastrophe pour les Lensois, M. Poulain applique le règlement, regardez au ralenti, sur cette faute sur Chanlot d'Adjovi Bocco qui hérite d'un carton rouge et sera donc expulsé. Numériquement moins fort, les Lensois vont tenir jusqu'à la mi-temps, mais ne peuvent rien faire ici sur cette montée de Huisman. L'ex d'Inkerquois marque le premier but après 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps, suivi par cette montée de Kubik qui va tirer au prix d'un bel effort. Le gardien Lama repousse, replonge une deuxième fois, mais rien à faire. Calderaro a suivi. Vous savez, quand une équipe comme Metz a deux buts d'avance, avec une supériorité numérique, c'est beaucoup plus facile de gérer le jeu. Et même si nous avons toujours montré une vaillance qui ne nous a jamais manqué, ça ne suffisait pas. Je crois qu'il fallait être efficace ce soir. Et bien sûr, devant le but, on a été un petit peu...